Nous sommes en l'an de grâce. Le chevalier de Montaric et son écuyer Dindin le Boudin s'en vont à la rencontre d'une porte dimensionnelle qui vient d'apparaître dans le royaume. Lève-toi le boudin, tu te traînasses! Jacko! Jacko, mon seigneur! Attendez-moi! Faisons une pause, Maro, et donne-moi la gourdasse. Oui, monseigneur. Oui. Voilà. Voilà la gourdasse. La gourdasse de la bonne vignasse, monseigneur. Merci, le boudin. T'es un bon escuyer. Je te laisserai finir mon breuvage. Ah, monseigneur est trop bon, monseigneur. Tiens, Maro, régale-toi. Hosanna, merci, monseigneur. Ah, la bonne vignasse. Ah, la bonne vignasse. Ah, ça pue! Ah, mais qu'est-ce donc cette merdasse! Ah, qui? Cesse donc de jacasser, le gueux, et prépare donc mon destrier. D'accord! Ah, d'accord! Non, mais là c'est ridicule, non? Je suis pas ridicule, là? Quoi, mais qu'est-ce qui se passe, Brian? Pourquoi t'arrêtes comme ça la scène? Non, mais je suis ridicule, là, on dirait Jacouille la fripouille. Non, mais rien à voir, ils étaient tous comme ça, les écuyers à l'époque, voilà, c'était des... Voilà, tiens. Ah, parce que tous les écuyers, c'était des gros gogoles, en fait. Oui, exactement, sinon ils seraient tous chevaliers, hein. Alors réfléchis un peu, Brian, sinon... Parce que sinon, hein... Hein, allez. Et le d'accord, c'est pas le ok de Jacouille, ça, hein? Et mon nom, là, Dindin le Boudin, et l'autre, là, Gilbert de Montaric. C'est pas les visiteurs, ça. Oui, bah excuse-moi de trouver des noms d'époque. Mais bon, là, on est très proche de Jacouille la Fripouille et de Hubert Montmirail, non? Bon, tu arrêtes de batailler et tu me fais le texte, s'il te plaît. Merde. Non, mais on a même plus le droit de donner son avis, en fait. On n'a plus le droit. Donc, silence plateau, s'il vous plaît. Moteur, les voyageurs, scène 2, deuxième. Et ce nom, là aussi, les voyageurs, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Oui, les visiteurs, les voyageurs, c'est un petit peu pareil, non? Comment tu voulais que j'appelle ça, Brian? Un chevalier et son écuyer qui voyagent dans le temps, j'appelle ça comment? Hein? Bah, les voyageurs, Brian, hein, on va pas appeler ça les trous du cul qui voyagent dans le temps. Quand vous dites les trous du cul, j'en fais partie ou pas? Non, mais toi, ferme-la, s'il te plaît, ne commence pas à l'ouvrir, hein? Fais ton clap et puis voilà. Rien, tout ça, je me fais engueuler. Non, je dis juste que voilà, t'aurais pu au moins te creuser la tête un peu plus, voilà, pour les noms, pour le titre. Et moi, je trouve que tu nous casses un peu trop les couilles, Brian, hein? Alors ton comportement de péteux, c'est fini. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Voilà, je me prie dans mon personnel. Tiens, la capuche aussi, là, ça m'énerve. Bon, coupe le ventilo. Michel, coupe le ventilo. Michel. Bon, Marion, réveille Michel, il dort, là. Dis-lui de couper le ventilo. L'autre, il s'envole avec sa capuche, là. Putain, mais c'est des guignols. Prenez-les, c'est les moins chers. C'est que des guignols. Regarde-le, lui, il s'endort sur sa perche. Réveille-toi, du con, là. Putain, mais réveille-toi, il utilise ta perche un peu, là. Y'a que moi qui bosse ici. Vous croyez que c'est normal? Vous êtes tous lents. On sait même pas ce que vous faites. Alors maintenant, vous travaillez, vous êtes quand même assis, hein. Je suis assis. Mais c'est normal, je suis le réalisateur. Toi, t'es mon assistant, tu m'assistes. C'est normal que tu fais ce que je te dis. Putain. Donc, silence bateau, moteur. C'est bon, c'est à moi, là. Les voyageurs, scène 2, prise 2. Non, attendez, je me suis perdu, je peux refaire. Les voyageurs, scène 2, prise 2. Et action. Allons, le boudin. Le portail dimensionnel nous attend. Ah non, mais sire! Ah non! Point la porte dimensionnelle, non, c'est satanique! On rend sérieux, messire! Sérieux, avant qu'il soit trop tard! Point de querelle, Maro. Bourgeois, Saint-Roland. Que merci, je me rends. Ah non, messire! Non, mais là, c'est clairement les visiteurs, là. Non, mais rien à voir. Ah, ça a rien à voir. Donc, Mourvois Saint-Roland, que meurs si je me rends, ça a rien à voir avec Mourvois Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Non, moi, c'est une vraie devise de l'époque. Du coup, en gros, c'est les visiteurs qui ont pompé sur toi. Exactement, t'as tout compris. Et le portail cosmique, machin truc, là, quand on va le traverser, je parie qu'on va arriver où? Dans le présent, hein, évidemment dans le présent. Et non, dans le futur, mon petit gars. Alors ça, tu découpes ça ou pas, hein? Tu fermes bien ta gueule, Brian, ou pas, là? Toi, tu le savais, ça? Bon, rendons-toi, tu m'énerves, toi. Rendons-toi, tu prends un taquet, hein. Bon, Michel, le ventilo, s'il te plaît, parce que moi, je commence à avoir chaud, là. J'en peux plus, là. Je suis brisé. Ok, non, autant pour moi, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. C'est bon, du coup, on peut reprendre, Brian? On est tous calmés? J'ai eu peur, je pensais qu'on allait faire un copier-coller, un gros plagiat, mais... Mais non, mais ça doit être moi, je suis désolé. Je suis Daniel Boudin, hein, je suis pas Jacouille. Tu plagies jamais n'importe quoi, lui, hein? Je fais du plagiat, moi.
Bon. Tout le monde se calme. Silence plateau. Moteur. Les voyageurs. Scène 1, prise 4. Wouh! Yeah! Et action!